Chers abonnés, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors toi, si tu as envie de gagner des coups de 3 comme moi, dans cette vidéo, je vais te montrer très facilement comment tu vas gagner des coups de 3 et ceci très facilement sans même te prendre la tête, sans aucune analyse. Tu vas voir que c'est très simple de gagner des coups de 3. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer ça sans plus tarder. Alors énorme bonus ce matin les amis, comme vous pouvez le voir les amis, j'ai reçu d'énormes bonus ce matin. Justement, j'ai reçu jusqu'à, vous pouvez voir, 156 000 francs de bonus justement en faisant un dépôt de 300 000 francs les amis. C'est possible, les amis, vous pouvez aussi recevoir votre bonus. Vous pouvez voir, j'ai reçu jusqu'à 18 000 francs de bonus, deux fois ce qui se fait, 156 000 francs ce matin simplement les amis. C'est juste parce que j'ai utilisé le code promo 99. Alors les amis, pourquoi vous hésitez encore? Créez votre compte avec le code promo 99, ça vous donnera tellement de bonus, vous allez tellement en profiter sur toutes les plateformes, Betwinner, Wallisbet. Alors les amis, juste, je vais vous montrer comment vous aller 156 000 francs de bonus les amis. C'est très simple, ce que vous allez faire, vous venez sur votre application Wallisbet, vous cliquez sur inscription et vous, tout justement lorsque vous serez sur inscription, vous allez venir, si vous voulez, cliquer tout justement sur l'inscription complète. Lorsque vous allez cliquer sur l'inscription complète les amis, vous allez justement remplir vos informations, nom, prénom, pays, région, date de naissance, vous allez mettre tout votre information. Et là où c'est vraiment très intéressant pour recevoir les bonus, c'est ici les amis, vous allez mettre le meilleur code promo les amis. Vous savez très bien, Dieu sera avec vous les gars. Alors c'est ça, vous allez mettre le code promo Dieu 99, comme toujours Dieu sera avec vous. Donc les amis, vous allez mettre le code promo Dieu 99, voilà, vous allez mettre le code Dieu 99, c'est ça qui va vous faire que vous allez recevoir les 156 000 francs de bonus les amis. Et à plus de ça les amis, vous aurez fait 5% de vos pets qui seront remboursés tous les mois. En plus de ça, vous aurez le bonus anniversaire, vous aurez votre bonus le lundi, le mardi et surtout le vendredi les amis. Donc mettez le code promo 99, vous aurez les 156 000 francs de bonus comme moi. Donc les amis, lorsque vous allez faire votre inscription et vous allez cliquer sur ça, vous faites votre premier dépôt et voilà, vous avez votre bonus qui est éligible pour jouer à tous les jeux sur Wallisbet. Donc les amis, je compte sur vous pour devenir un leader sur Wall. Alors les gars, comme je vous le dis, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez gagner des coups de 3 très facilement. Et vous allez voir ici que je l'ai perdu ici. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai perdu ça. Donc restez là jusqu'à la fin. Regardez la vidéo jusqu'à la fin surtout. Et likez la vidéo et surtout abonnez-vous pour me donner la force de continuer les gars. Alors c'est parti les gars. Ce qu'on va faire. Alors vous allez revenir sur... Vous allez revenir ici. Vous allez cliquer sur menu tout simplement. Vous allez revenir sur la page d'accueil. Donc lorsque vous êtes sur la page d'accueil, j'avais déjà présenté une astuce comme ça sur ma page YouTube. Et j'espère que beaucoup ont regardé, beaucoup ont profité. Et je suis revenu avec une nouvelle astuce pour vous montrer comment vous pouvez gagner des coups de 3 très facilement. Vous allez voir que ce que je dis, c'est vraiment facile. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer d'utiliser ici, tout simplement, on va encore essayer d'utiliser ici, on va essayer d'utiliser le pari constructeur, le constructeur de pari, très simplement. Alors je vais aller encore dans les résultats, je vais vous montrer ce que je vous dis très simplement. Vous allez voir ici, très simplement, que ici j'ai fait 3 coupons ce soir et j'ai gagné combien? J'ai fait 3 coupons ce soir, vous allez voir que j'ai gagné ici, j'ai gagné ici, j'ai gagné ici, voilà, j'ai vraiment réellement gagné ce soir. Donc les amis, ici j'ai fait rentrer une cote de 3 simplement, vous allez voir, cote de 3, soit 18. Donc ici vous allez voir que je l'ai perdu ici, mais je vais essayer de faire l'astuce et je vais venir vous expliquer. Alors lorsque vous venez ici, sur haute, vous allez voir pari constructeur. Alors vous allez venir sur pari constructeur tout simplement. Donc lorsque vous allez cliquer sur pari constructeur les amis, vous allez ici, je vais vous montrer l'astuce. Alors ce qui va nous intéresser, je vais miser d'abord et je vais essayer de choisir, voilà, ce qui va nous intéresser ici, c'est les matchs ici. Alors je vous explique très simplement ce qu'on appelle les paris constructeurs. Vous voyez très bien ici et vous avez Atletico qui joue contre Osasuna. Alors le pari constructeur nous permet en fait de faire quoi? De faire jouer Atlético Madrid contre une autre équipe comme Roma. Vous voyez très bien, donc vous pouvez faire jouer Atlético de Madrid contre Roma malgré qu'ils ne sont pas dans le même championnat. Donc très simplement, voilà, si vous ne comprenez pas, j'avais fait une vidéo dessus, mais de façon bref, voilà ce que ça s'explique. Je peux faire jouer Atlético de Madrid contre Roma, ou je peux faire jouer peut-être Florentina contre Séville, je peux faire peut-être jouer Florentina contre Séville. Mais dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est là, ce qui va nous intéresser, je vais vous l'expliquer. Alors là, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver des matchs comme ça, voilà. Vous allez trouver des matchs où il y a des cas, vous avez ici cote 1,29, ici vous avez cote 9, et vous allez chercher des matchs qui sont, dont il y a vraiment des cas entre le favori et l'outsider et le plus faible. Ici vous voyez cote 1,14 et cote 1,18, voilà. Ici on a vraiment la configuration, donc on va essayer tout simplement de faire l'astuce ici. Donc ce qu'on va essayer de faire, donc lorsque vous venez ici, vous avez déjà trouvé vos matchs où vous avez un favori qui a une cote très faible et puis vous avez un gars qui est faible qui a une cote très très élevée. Alors ce que vous allez faire, vous allez ici, vous allez très bien ici
que c'est lui et Oracle Almelo qui a une cote très élevée. Alors vous allez venir, vous allez appuyer ici, ajouter l'équipe. Donc ce que vous allez faire, donc très simplement, on va faire ajouter l'équipe. Vous aurez quelque chose qui va s'afficher, vous allez l'ajouter dans l'une des options ici. On va l'ajouter dans l'équipe 1. Donc ce qu'on va faire simplement, les gars, on va faire ajouter dans l'équipe 1. On va choisir ici aussi. Ici aussi, nous avons et voilà, nous avons Atronomitos. Donc voilà, on va essayer de prendre Atronomitos. On va aussi appuyer sur ajouter l'équipe. Donc on va l'ajouter ici, cette fois-ci dans l'équipe numéro 2. Alors lorsque vous ajoutez ça, vous allez voir et quelque chose qui vous a affiché, vous allez appuyer, ça va vous amener et placer un pari. Donc vous allez cliquer sur placer un pari, très simplement les gars. Lorsque vous allez cliquer sur placer un pari, tout simplement les gars, vous allez vous retrouver sur les options que WinSpot vous propose de miser sur ces deux matchs là, sur ce match là. Donc vous avez ici la victoire de l'un ou de l'autre, vous avez ici la double chance, vous avez ici les deux équipes vont marquer, vous avez aussi total et puis vous avez d'autres options. Ce qui va vous intéresser ici, c'est total. Donc les amis, vous allez venir, si vous allez appuyer sur total. Alors ce qui veut nous réellement nous intéresser, voilà, ça va nous intéresser ici. Moins de 0,5 buts dans le match, les gars. Ça passe à merveille parce que quoi, je vais vous expliquer pourquoi cette option. On va choisir cette option très simplement. Donc ici, vous voyez très bien les deux équipes là. Vous voyez très bien que la probabilité que lui d'abord il est à l'extérieur, la probabilité qu'il marque un but contre Athéna est très 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 faible. Elle est très vraiment faible. Donc vous voyez très bien. Donc ici aussi, et si on monte en haut ici, vous allez voir très simplement que ici aussi la cote très élevée. Donc la probabilité qu'il marque à l'extérieur contre un favori comme ça est réellement réellement très faible. Donc nous, ce qu'on va essayer de venir miser ici, c'est que les deux équipes faibles qui jouent contre deux favoris ne vont pas marquer un seul but dans ce match. Donc voilà, donc vous allez cliquer sur moins de 0,5 buts dans le match et vous allez tout simplement miser dessus. Donc ici, ce qu'on va essayer de miser ici, donc on va essayer de mettre tout simplement ici, on va essayer de mettre 21 000. Donc on va essayer de mettre les 22 478. Voilà, très bien. Donc on va essayer de mettre les 22 478. Donc ça, si ça passe, ça me donne quelque chose de 70 000 et je suis sûr à 100% que ça va réellement passer. Alors, retournons, si vous avez regardé l'astuce correctement, donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai réellement perdu ça ici. Vous allez voir pourquoi on a perdu. Donc, si je viens dans mon coupon ici, vous allez voir très bien que ici, on l'a fait passer parce que vous voyez, les deux équipes faibles, voilà, je vais vous montrer très simplement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez j'ai joué la même option, la même astuce ici. Vous avez cette équipe qui est vraiment, vraiment faible, l'Ecole City, qui joue contre West Ham, qui est une très, très grande équipe. Vous voyez très bien, il a marqué combien? 0 but dans ce match. Et vous allez voir ici aussi qu'on a un match de Union Deportivo Las Palmas qui joue contre le Real. Le Real, qui est vraiment une très grande équipe, ne peut pas encaisser. Bon, la probabilité qu'il encaisse contre cette équipe est vraiment très faible. Donc voilà pourquoi ici vous allez voir qu'ils ont aussi, eux aussi ils ont marqué 0 but dans ce match. Donc voilà très bien pourquoi j'ai pris les deux équipes, les deux faibles équipes, je les ai confrontées et là j'ai misé combien au total? Moins de 0,5 but dans le match et voilà, c'est passé très simplement. Donc les amis, je vous jure que si vous jouez 10 matchs, vous allez gagner 6 dedans, vous allez gagner jusqu'à 7 même dedans, même pourquoi pas 8. Donc ici je l'ai perdu tout simplement parce que vous allez voir ici, j'ai fait vraiment une erreur. Voilà, ici vous avez Fulham qui joue comme Norwich. Norwich a marqué un but à la dernière minute et c'est pourquoi le coupon là est perdu. C'est vrai parce que Fulham n'est pas aussi une très grande équipe. Donc vous voyez, Fulham c'est une équipe qui encaisse aussi et Norwich a réussi à marquer un but à la deuxième mi-temps. Sinon, ce coupon sera aussi gagnant. Donc les amis, j'espère que vous avez compris l'astuce. Je vous prie de regarder la vidéo correctement jusqu'à la fin pour comprendre réellement ce que j'ai dit dans la vidéo pour ne pas vous perdre les gars. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like et je vais vous montrer que réellement, j'ai vraiment misé, voilà, j'ai vraiment misé ça, c'est ça qui se retrouve ici. Donc vous allez voir que j'ai confronté les deux équipes faibles, Oracle contre Atrominos, et j'ai mis moins de 0,5 buts dans le match. Donc les amis, voilà ce que je voulais montrer ce soir pour gagner les codes de 3. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de vous liker la vidéo et surtout de vous abonner. Donc on se dit ciao dans une prochaine vidéo.